Bon, là je fais une petite vidéo, je sais pas comment expliquer ça. Regardez. Je montrerai plus tard ce qu'il y a dedans. Pour aujourd'hui. J'ai pas tout encore, donc voilà. Donc là, je vais mettre ça sur Facebook, je pense. Ou entrée de 50 machin, etc. Parce que j'ai déjà mis ma boîte complète à vendre. Donc du coup, voilà. C'est ça le truc en fait. Alors là en fait, je vous montre. Voilà. Il y a l'agrafe, vous voyez, comme ça là. Il manque juste les petites agrafes dessus. Donc le gars il en veut plus. C'est dommage parce que ça neuf, ça vaut 150 balles quand même. Donc je me dis, bon après c'est un fils à papa. Donc bon, on est d'accord, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup il en veut plus, c'est très con parce qu'il aurait pu le garder ben, pour des pièces quoi, parce que rien que ça mine de rien, bon faut le nettoyer on est d'accord, celui qui le veut je le nettoierai, je vais pas l'envoyer comme ça, c'est dégueulasse quoi. Parce que je lui ai dit déjà au gars, rien que cette patte là, ici là, ça vaut 40 balles sur le net. Je lui ai fait, ben, garde-te-le, on sait jamais, tu sais, si un jour t'en as besoin ou tu veux des pièces, t'as vu, on sait jamais quoi. Bon le gars il en veut plus, bon, ben, ok quoi, le truc il a 10 000 bornes. Bon, il est un peu crade, mais c'est tout quoi. Et en plus, il me fait halluciner. Alors, bon, après, il est maniaque, mais bon, quand même. Les plaquettes, elles sont encore neuves, putain. Elles sont même pas. Vous voyez quoi, c'est à peine usé, quoi. J'ai halluciné, quoi. Et celle-là aussi, quoi. Bon, après, comme on dit, hein, le client est roi, comme on dit. Mais bon, quand même, ça me fait halluciner. Mais... Ça vaut 150 balles, cette merde. Regardez, les plaquettes, elles sont neuves, enculé. Bon, il n'en veut pas. Donc, bon, ben voilà. Hein, je vais pas garder ça me sert à rien, moi. Donc, ça, je vais le foutre à Choupeau. Et 80 balles. Celui qui en veut, ben, il m'appelle. Je lui envoie via TNT, quoi. Et après, alors, j'ai des retours de commandes. Alors, bon, ça me sert à rien. Je vais pas les garder, quoi. Donc, ça, je la fais à 10 balles. Je m'en fous parce que c'est de l'origine. C'est du 12-15-15. C'est pour les vilebrequins d'origine ou 50. Voilà, quoi. Donc ça 10 balles. Et par contre celle-là, alors celle-là c'est une top perf qui vient direct d'Italia. Elle a mis une semaine pour venir. C'est bien, je suis en confinement, lol. Donc celle-là en fait c'est une 12-17-17. C'est les cages aiguilles top perf renforcées. Je sais pas si vous avez bien voir. S'il y a le flash, je sais pas pourquoi il se met à chaque fois. Donc vous voyez, elle est plus épaisse que. Vous voyez, hop. Celle de gauche est l'origine, 12-15-15, et celle-là c'est celle renforcée. Tu vois. Bon, je dis tu, hein, maintenant, je pense que vous êtes habitué. Et vous voyez, ça n'a rien à voir, quoi. Celle-là, en fait, c'est plus pour tout ce qui est vilebrequin en course 44, quoi. Pas d'origine, quoi. Donc, du coup, il n'en voulait pas, donc du coup, il me l'a renvoyé, quoi. Moi, je fais, bon, mais ok, tiens, je te renvoie tes thunes, hein, pas de soucis. Voilà, donc celle-là, je vais pas me prendre la tête, hein. De toute façon, je vous le cache pas, moi les pièces maintenant je les ai moitié prix, donc bon. Donc voilà, parce que du coup j'ai contacté Scootfast, 50 Factory, Maxi Scoot, et Maxi Pièces, ils m'ont pas répondu encore. Et toutes ces personnes, en fait, je leur ai dit, bon, ben voilà, moi j'ai ouvert mon entreprise ben, chez moi, à domicile, quoi, du coup, comment je fais pour ouvrir un compte pro chez vous? Vous m'envoyez votre numéro sirène, machin, numéro cabis, ok. Je fais ouais, le problème c'est qu'en fait on est en confinement donc du coup je peux pas recevoir rien. Donc du coup, ces charmantes personnes m'ont dit que bon, ben mon compte pro il pouvait pas être ouvert. Donc du coup, ben c'est pas grave, hein. Je suis allé chez quelqu'un d'autre et là au moins, ben voilà. Ce fournisseur lui m'a dit ok, pas de problème. Donc du coup, ben je fais des affaires avec eux. Hein. Tant pis pour les autres. Hein. Et puis on fera comme ça quoi. Bon, ça sera plus long pour l'autre pour recevoir les colis, mais bon, tant pis. Parce qu'il est en Italie, donc le temps que ça arrive, voilà. Je vous dis, la cage à aiguille, je l'ai commandée pour le client. Déjà, elle a mis une semaine et demie, une semaine et demie pour arriver, quoi. Et du coup, je l'ai envoyé au client, et le client, il me l'a renvoyé. Donc, bon, voilà. Donc, celle-là, je la fais à 20 balles, quoi. Donc, celle-là, 10 balles. Ou même 5 euros, je m'en fous. Mais celle-là, je la fais à 20 euros, c'est une top perf et puis elle est neuve. Et ça, 80 balles, j'enverrai les plaquettes avec, hein. On va pas se prendre la tête. Donc ça, faut que je le passe au rodoir.
Je le nettoie bien parce que alors c'est de la fonte, on dirait de l'alu comme ça. Mais c'est de la fonte, donc faut que je le passe au rodoir, ça, à peine. Parce qu'il veut repartir là-dessus. Donc, bon. Pour son petit frère, je crois, ou une connerie comme ça, il m'a dit. Donc voilà, donc celui qui veut, aïe, vous me le dites. Je vais mettre une photo dans Entraide, machin, tout ça, je pense. Bon, pas aujourd'hui, parce que je vous cache pas que j'ai le dos pété, on va dire. On va dire ça comme ça pour pas dire le reste. Donc du coup, voilà quoi. Donc voilà. Alors j'ai trouvé ça un peu abusé pour tout ce qui est. Pourtant ce coup de faste, je voulais vraiment travailler avec eux parce que bah, ils ont des produits qui m'intéressaient au plus haut point. Pareil pour 50 Factory. Bon, eux, ils n'ont pas voulu faire de gestes. Bon, mais ok quoi. Alors, je sais pas de quoi ils avaient peur, mais bon. Moi, il fallait que je passe une commande absolument pour un autre client, hein. C'était assez urgent. Ils n'ont pas voulu. Bon, mais très bien. Mais je me suis adressé ailleurs, hein. Pas de souci, quoi. Donc, si le client est d'accord, ben, je ferai une vidéo sur son moteur. S'il n'est pas d'accord, bon, ben, voilà. J'attendrai que ce charmant confinement passe, parce que je sais pas si vous êtes au courant de ce qu'on vous a dit à la télé. Mais je vous invite à faire des recherches sur la loi, c'est quoi la loi Schengen s'appelle. Je pense que vous allez être content quand vous allez voir ça. Et tout ce qui est Vigipirate, là, les chasseurs alpins en ce moment, ben, ils vont être là pendant un long moment en France. À garder les frontières, machin, etc. Et le confinement, normalement, il va durer jusqu'à fin avril. Donc je vous dis, préparez-vous mentalement, parce que ça va piquer, je pense. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Bon, bref, c'était juste pour vous informer qu'on n'est pas prêt de sortir encore. Donc voilà, alors ça je trouve dommage parce que moi, mon fils, je l'avais changé. On l'avait payé. Alors sur 50 Factory, il était à 150. Sur Maxi Scoot, il était à 120. Donc on l'avait pris chez Maxi Scoot. Ouais. Lui, il l'a pris chez 50 Factory. Donc déjà, il l'a payé 150 balles. Et là, tout à l'heure, il me fait, ouais, non, j'en veux pas avant le. Bon. Mais je lui dis, mais tu sais que ça vaut 150 balles quand même. Ouais, c'est pas grave. Bon, d'accord. Bon, ben, ok. Donc, je lui ai dit, tu voudras les sous ou comment on fait? Ah, non, non, il me fait, tu le vends et tu gardes tes thunes et voilà. Bon, d'accord. Ok. Donc, celui qui le veut, ben, je ferai ça à 80 balles avec ces charmantes plaquettes toutes neuves. Bon, ça, c'est rien. C'est le piston à force. Hein, parce que je pense qu'il devait pas laver beaucoup sa machine. Rien que quand j'ai fait la vidange, j'ai fait, waouh. Noir comme ça, la vidange. Et ça, il a payé 24 balles. Et vous voyez, c'est putain, c'est neuf, sans déconner. Bon, je comprends pas trop les jeunes comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà. C'était la petite vidéo parce que je vous cache pas que bon, je m'emmerde aussi, je suis comme tout le monde. Hey, putain. Donc regardez-moi ça. Hein. On est en confinement, voilà le temps de, voilà le temps de fou. Regardez ce que j'ai trouvé aussi dans les bois. C'est pas un truc de malade, ça. Ça, je suis assez fier de ça quand même. Bon, lui, il avait 2 ans, non, 4 ans. 1, 2, 3, 4, ouais, 4 ans. On compte les cornes, les 4 bouts en fait de chaque côté. Donc là, vu qu'il y en a 1, 2, 3, 4, il avait 4 ans, quoi. Donc je vois pas trop, peut-être que c'est un chasseur qui l'a buté, je sais pas. J'ai pas trouvé de trou d'impact ni rien, quoi. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas expert là-dedans. Et pour ceux qui m'ont dit ouais nettoie ta chambre, non, c'est pas ma chambre, c'est là où je fous tout mon bordel, vous voyez, toutes mes fringues de taf compris, ça c'est pour que je roule en moto, etc. Donc ça c'est pas pour moi, c'est pour un client, donc voilà. Après c'est pas grand chose, il y a une couronne dedans, il y a de la mousse Doppler. Il y a quoi? Ouais, voilà, il y a la mousse Doppler, c'est la laine de roche pour. Merde. Il y a ça aussi, si ça intéresse quelqu'un, parce que du coup, ben, il n'en veut pas. Ça, par contre, il le vend 100 balles. C'est ce qui attache justement l'étrier, quoi. Il est tout neuf, le machin. Donc, voilà. Ça, et par contre, là-dedans, bon, j'avais 2-3 pièces. Il y a la couronne qui est là-bas dessous, là. Ça, c'est une pipe d'origine, bon, voilà. Je vous dis, le gars, il m'a fait halluciner. Et ça, c'est les clapets, ils sont neufs, c'est la fibre.
Ça va sur Derby à M6. C'est les mêmes en fait. Ah ouais, c'est pour ça aussi que je vais vous montrer un truc. Ça m'a fait rigoler quand même. Et en plus, il n'y a rien marqué, je crois, dessus. Non. Alors, si vous regardez bien ce clapet, en fait, ici, là, je sais pas comment je vais vous montrer, là, comme ça. Ah, ici, vous voyez, ça s'est relevé un peu. Alors, regardez bien la gueule du clapet, d'accord? Vous voyez, c'est relevé, il a ici, là, juste là. C'est les mêmes clapets que les VL17, sauf que le VL16 ou le VL17, vous les trouvez à, je crois, ils sont à 27 ou 30 balles. C'est le même, hein. Sauf que là, ben, c'est des fibres ou là que ce soit des feuilles de carbone, ça vaut 10 balles. En fait, ce que vous payez, c'est pas le clapet en lui-même, là, les VL16 et les VL17, vous payez juste les lamelles de carbone qui sont posées dessus, quoi. Donc au pire, vous achetez ça, vous voyez, ça vous le payez 10 balles. Vous achetez les lames de carbone à 5 euros, et voilà, vous avez un clapet nickel. Parce que les VL17 et les VL16, c'est les mêmes que ça. C'est exactement les mêmes. Même taille, on a mesuré, c'est même taille et tout. Donc bon, il est dégoûté, donc du coup, ben, ils vendent tout ça, quoi. Donc voilà. J'ai envie de dire... Hein? Voilà, vous m'avez compris. Je ne vais pas trop citer de nom, parce que bon, voilà. Voilà ce que je veux dire. Hein. Et ah oui, je voulais remercier aussi. Parce que ça vient de chez eux, n'est-ce pas? C'est peintureauto.fr. Alors, je vous invite vraiment à aller chez eux. Parce que ça, je l'ai payé que dalle. Mais vraiment que dalle. En plus, arrivé là-dedans. Je sais plus si elle a le truc là-dessus. Vous voyez ce coup de faste, hein? Vous allez vous reconnaître, voilà. C'est moi qui vous ai écrit, qui vous ai demandé machin. Donc ça c'est ouvert, on est d'accord. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je sais plus s'il y a le nom de chez eux là-dessus. En fait, ils font tout, tout ce qui est peinture voiture. Bah oui, forcément, c'est peinture auto, je suis con. Ah, si j'ai la facture. Voilà. Je vais vous montrer ça parce que franchement, ça vaut le détour. Hein. Moi, je vais peindre une Skoda avec. Ouais, voilà ça. Alors, je vous invite vivement à aller chez eux, c'est peinturevoiture.fr, pardon. Ouais, bon, il y a mon adresse, on s'en fout. Donc je vous invite vraiment à aller. Merde, c'est là. Lol. Donc c'est là, ouais, voilà. Peinturevoiture.fr. Donc moi j'ai commandé du papier à l'eau à poncer en fait. Comme ça quoi. Parce que en fait j'ai refait les phares d'une Skoda quoi parce que les phares étaient ils avaient jauni en fait avec le soleil donc du coup de l'eau et du savon j'ai poncé les phares c'est passé nickel au contrôle n'est-ce pas? Pas besoin de payer dans un garage 55 euros ou 60 euros s'il voit la vidéo il va se reconnaître et en plus soit dit en passant pour ce garage si tu regardes la vidéo mon ami. C'était pas le catalyseur que tu voulais me faire payer 750 euros, n'est-ce pas? C'est la sonde de devant qui est foutue. Parce que les normes de CO2, c'est au ralenti, ralenti, accéléré. Donc c'est la sonde à amont, AMONT, qui gère ceci. Bon bref, et pas la sonde aveugle. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Donc je vous invite à aller chez eux, en fait, parce que du coup... Chez peintureauto.fr, ils vous vendent des bombes de peinture pour faire des retouches carrosserie. Il y a du vernis aussi, pareil, pour faire des retouches. Et moi, je vais revernir le toit d'une voiture. Parce qu'avec les UV, tout ça, le vernis s'est enlevé. Donc, je vous conseille vivement d'aller chez eux, parce que les prix, c'est imbattable. Et c'est livré en même pas 3 jours, hein. En 48 heures. Moi j'ai commandé mon papier à poncer là. C'est livré avec TNT, il n'y a rien à payer. Vous prenez ce que vous voulez. Et ça arrive en même pas 24 heures, 48, 48 heures, ça arrive chez vous, quoi. Averti par mail et tout. Donc voilà. C'était la petite vidéo de ça. Donc ça à vendre. Les caches à aiguilles à vendre aussi. Tout ce que je vous ai montré dans le carton et surtout aller chez ce monsieur-là, peinturevoiture.fr. Voilà.
Bon, sur ce, j'essaierai de faire des vidéos bientôt. Après, j'ai pas trop de finances en ce moment, donc vous voyez, c'est des petits trucs à la con que je fais, donc bon, on est d'accord, ça rapporte pas grand-chose. J'ai remis mes réfections moteurs, donc tout ce qui est démonte et montage, tout complet. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, ça fait cher, machin. Mais moi, quand je fais pose de vilebrequin, montage de roulement, repose de la boîte, etc., tous les joints moteurs, etc., pour 130 balles, je trouve que ça fait pas cher. Celui qui arrive à me trouver moins cher pour tout ça, ben, je l'invite à me contacter. Je serais curieux de savoir comment il travaille, le type. Surtout que moi, je fais que ça. Je n'ai pas de garage à côté ou voilà. Je ne fais que du deux temps, que des moteurs pour l'instant. Cet été, je pense que je vais repartir sur des ben, tout ce qui est entretien, machin, etc. Donc tous ceux qui sont proches de Gabarret, Saint-Justin, la Bastide d'Armagnac, ben, vous me contactez. Hein. Ou alors vous allez sur Facebook à soit Yannick Camian, vous allez reconnaître, j'ai plein d'articles là-dessus. Ou alors vous allez sur restore.50cc. Sur Facebook. Et vous allez voir, il y a toutes les machines que j'ai fait. Il y a les. D'ailleurs, je vous invite à aller sur FB. Il y a tous les. Parce que je vais quand même acheter des trucs sur Maxi Scoot. Je l'achèterai en tant que particulier, c'est pas rare, parce que chez eux on peut pas avoir de compte, voilà. Et bon, je vais pas attendre un mois et demi pour avoir des pièces. Pour l'instant, ça me fait chier. Donc voilà, je vous invite à aller voir. En tout cas, à bientôt.